mal partout. J'préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatou. J'veux que ma mère soit. Bah, tu te souviens hier ce qu'il t'a, il t'a mis un truc dans le bras? Oui, le, Lorio. Regarde. Attends, mais c'est qui ça? Alonso. C'est un nouveau que tu connais pas. Comment tu t'appelles toi? Alonso. Ah, d'accord, Alonso. D'accord, d'accord, d'accord. Bienvenue. Bienvenue, ta mère. Bien. Viens ici, ta mère. Viens ici. Hein, ta mère, tu es nouveau vagos? Tu es nouveau vagos, toi, cabron? Hein, hijo de cabron? Oh, pardon! Merde, oh, pardon, oh, pardon! Oh. Oui, on arrive! Bonjour! Vous avez de monter. Ah, merde! Désolé, pardon! Descendez! Désolé! Désolé! Pardon, j'ai cru qu'on était en retard! Analyse en cours. Vérification, présence, mettons sur les individus. Je sais pas ce qui se passe. Déposer les armes. Monter dans les véhicules. Comment tu t'appelles? Unité RN77. RN? Comme les racistes? RN. RN. Comme les racistes. RN. RN. Rassemblement national, oui. Les racistes. Je n'ai pas l'information requise. Regarde. Imminent. D'accord. Regarde sur Google. Marine Le Pen. Tu connais pas? Analyse en cours du dossier Marine Le Pen. Erreur 404. Terrain glissant. Not found. D'accord, d'accord. Tu as la carte de citoyen au moins? Négatif. Pourquoi tu la demandes pas, hein, hermano? Le système. Les humains ne m'intéressent guère. C'est qui ton réfé? Notre concepteur. Attends, mais c'est trop stylé par contre son masque là. Comment ils ont fait? Ne sera jamais décliné. Comment ils ont fait pour avoir une tête comme ça, frère? Mission placée top secret. Je pars une semaine et demie, il y a des robots chelous, je comprends rien, c'est trop bien. Même moi, frère, je comprends pas. La vie de la mère, je sais pas ce qui se passe. Je vous jure. Là, je suis en full découverte, sa mère. D'accord, d'accord. Pardonne, mais. Analyse en cours. Escúchame, hermano. Eh, hey, cabron. Oui. Y'a oublié ton prénom, c'est quoi déjà? RN77. RN. Et toi, ah, RN comme l'attaque del Titan. Négatif, je n'ai connaissance de ce. Comme un R et un N ou comme RN en un mot? Comme un R et un N. Un R et un N. Affirmatif. Combien ça fait 643 divisé par 221? Appel radio imminent. Reçu 5 sur 5. Arrivée prévue dans 500 mètres. Réponds à ma question, par favor. Tu es un robot, tu dois savoir. Je ne réponds pas à vos questions. Depuis tout à l'heure, tu me réponds. Tu me réponds depuis tout à l'heure. Pourquoi tu me réponds plus? Votre demande. 423 divisé par 321. La réponse est approximativement 1,317775701. D'accord, merci. Ne regardez pas à gauche. D'accord, je regarde pas. Vous devez assurer la sécurité des personnes. Mais non, moi, il veut voir Lorio. Lorio, vivant. Oui, c'est pour ça que je suis venu, pour Lorio. Vous êtes ici pour Lorio, vivant. Oui, oui, c'est pour lui. Reçu 5 sur 5. Non, mais c'est lui. Vous pouvez descendre. Veuillez descendre. C'est qui à côté? Oh, ça c'était le pneu, ça. Veuillez me suivre. Ah non! Ah merde! J'ai cru que vous m'avez mis une cagoule. Vous n'avez pas de cagoule. Oui, pardon, c'était la porte. Vous voyez. Oscar Tavares, Orion, Caliban. Lorio. Votre mission n'est pas terminée. Je lui fais la gueule, hein! Vos amis sont là pour vous récupérer. Veuillez me tendre votre bras à nouveau. Moi je lui fais la gueule, Lorio, oubliez pas, hein! Vous m'avez déjà fait ça hier, stop! Notre mission est terminée, restez en vie pour la prochaine mission. Téléphone détecté, rangé. Pardon, je parle avec ma chica. Ce n'est pas notre problème. Tu es une jalouse parce que tu n'as pas d'émotion, toi. L'énerve pas. Tu n'as pas de sentiments, toi. Tu sais pas ce que c'est l'amour, connasse. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Vous devez rester en vie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je comprends plus rien? Je me pose des questions depuis hier. Vous avez sous votre pan, vous et certaines personnes de la ville, un programme. Il nous permet de venir vous voir en temps et en heure. Cette mission est référencée, classée, secret. Vous en saurez plus le jour venu. Restez en vie. C'est envoyé par qui? Qui
Et il vous votre envoie. Votre concepteur est anonyme et le restera. Armano, il n'y a rien compris. Hein. Moi non plus. D'accord, okay, d'accord, merci, là, merci. On va partir, c'est ça. On ne risque rien. Nous allons vous accompagner. Partir. Affirmatif. Et si on veut pas le récupérer? Arrête, arrête. Mais... Hein? Il sera abattu. D'accord. Eh ben, moi, il veut pas le récupérer. Non, non, attends, doucement, merci. Doucement, non. Doucement. Non, non, Miguel. Miguel. Je m'en fous. Miguel, dis quelque chose, dis-lui, non, Miguel. Miguel. Luis, tu veux te mouiller, tu te mouilles. Moi, je m'en bats les couilles. Luis, Luis, regardez quoi? Non, non, regardez, arrêtez, arrêtez. Mais faut pas mettre la pression sur moi, là. Moi, je m'en fous. Je sais pas, par favor. Il m'a pas demandé de nouvelles pendant 5 années. Va te faire enculer. 5 agnos, pas un message, pas un mandat, pas un dollar, rien. Tu meurs, je m'en bats les couilles. Rien à foutre de toi aussi. Eh ben super, c'est moi son tuteur. Je suis son tuteur légal ou pas? T'es pas mon tuteur, j'ai pas de tuteur. Eh, hey, les robots, c'est moi qui décide de sa vie ou de sa mort. Vous l'aimez, vous êtes contrarié, car vous l'aimez. Ah, tu vois. Ah oui. T'es amoureux. Non, c'est vrai, il l'aime bien, mais c'est une puta qui m'a pas demandé une nouvelle pendant 5 años pendant qu'il était en... Arrête de mentir. Il y avait mon téléphone sur moi, tu m'as pas... Pas un appel, pas un message, rien du tout. Quel téléphone? Mon téléphone, mon numéro. Mais qu'est-ce que je savais que t'avais ton téléphone, t'étais à Brooling Bros. Bah oui, tu pouvais pas savoir vu que tu m'as pas envoyé des messages, cabron. Si, on a essayé d'aller te voir à Brooling Bros. Menteur. Personne. Personne. On a la même version. Je lui ai dit pareil, hier, il criait pareil. Menteur, personne. Oui, bien voir. Sûr, bien sûr, comme par hasard, oui, comme par hasard, oui, bien évidemment. Donc tu as toujours... Ah. Mais oui. Tu voulais pas nous laisser te voir. Comme par hasard, comme par hasard. Et maintenant Miguel, il sort et Miguel c'est le sauveur de Rorio. Ben oui, bien sûr. Quel sauveur? T'as été choisi. Qu'est-ce que tu me fais? Je parle de sauveur. Il était choisi, oui, parce que moi il y a un cœur pur. Les robots, c'est lui qui m'a sauvé. Les robots ils m'écoutent au doigt et à l'œil. C'est parce qu'ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, hey, tu veux qu'on sauve Rorio? Il a dit oui, les robots. Au doigt et à l'œil. Oui, ils m'écoutent. Tu veux essayer? Le robot, allez. Tire sur Rorio, tire. Non, non. Tire. Non, il t'écoute pas. Son tire. RN 77, tire. Je ne suis pas votre esclave. Ah, tu comprends ça? RN 67, por favor, tire sur Miguel. Tu allais tirer tout à l'heure, pourquoi tu veux plus? Parce que non, c'est pas pareil. Pour analyser vos liens d'amitié et savoir si vous êtes fiable pour sa sécurité, et vous le serez. Et lui, c'est qui ce cabron? Oscar. Ah, tu m'as remplacé. C'est aussi un nouveau, c'est le cousin que tu sais de Guero. Ah, tu m'as remplacé, d'accord. Ça y est, je pars un petit peu. Je trouve un nouveau bras droit. Qu'est-ce que tu me racontes? Je me suis réveillé avec lui. Ah, d'accord, c'est comme ça. Bien, super. Ok. Transfert des personnes. Veuillez monter dans les véhicules. Oui, oui, montard dans les véhicules. Tu vois une version espagnole, cabron, de robot de merde? Dans l'autre véhicule. Et vous le souhaitez. Oui, ben... Renta est moi loca. Je vais parler avec l'espagnol, moi, cabron. RN77. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Oh, trop stylé. Ouh. Eh, la robot. Oui. Comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle RN77. Toi aussi, mais c'est l'autre, 77. Je m'appelle RN77. Mais tous les deux, vous vous appelez RN77. Toi, c'est pas 76. Oui. Je veux la version espagnole. Version espagnole enclenchée. D'accord, super. Téléchargement en cours. Oui, super, c'est bien, c'est bien. Buenas tardes, señor. Buenas, buenas, hermana. Tu peux... Hermanita. Oui, ta gueule. Tu peux passer du DTF dans la voiture, por favor? No tengo la radio. Pas la radio, tu vas sur YouTube ou sur Spotify. Tu crois que c'est un robot ménager? Ben, il a internet, le robot, cabron. Mais j'en sais rien, s'il a internet. Mais bien sûr qu'il a internet, le bon robot, oh. Il a une voiture télécommandée, tu crois qu'il a pas internet? Mais tu crois que c'est Google Home? C'est pas Google Home. Bah non, c'est pas Siri. Bah y'en sais rien moi, c'est... ça a l'air meilleur quand même. Hein. Tout à l'heure il m'a dit il avait aucun programme d'activer. Active des trucs peut-être. Hein. Toi, quoi comme programme activable, Arène? Solo, las actividades, tirer, y, conducir. Non, remets la version américaine. Non, il a dit conduire et tirer en gros, y'a que ça qui est activable. Je veux la version japonaise maintenant, por favor. Allez, por favor. Regarde. Version de Japan en téléchargement. Elle parle espagnol là? Elle parle quoi? Je comprends rien. T'as demandé japonais, c'est normal, tu comprends pas. Bon, reviens en anglais, reviens, hermana, reviens. Tu crois que c'est son amoureuse à celui de devant? Eh, parle pas avec moi, toi aussi, il te fait la pourquoi, gueule, il prend des putas. Toi aussi, Lorio. À la bagarre. Toi? Ouais, hier, je l'ai aidé, il m'a baisé. D'accord. Oui, tu m'as bien aidé quand tu montais les deux. Qui t'a libéré? Qui t'a oui, libéré? Merci de les avoir laissés me tirer dessus au barrio. Merci beaucoup, Luis. Merci. De rien de t'avoir libéré quand il t'a vérité. Ben. Lorio, il a brûlé le concesse de oui, Ricky. Oui, il l'a brûlé là. C'est pourquoi, Lorio? Parce que. Et alors, qu'il baisse sa mère. Voilà, merci. Et arrête de faire le suceur avec moi pour pas qu'il te fasse la gueule, il te prévient.
Non, c'est pas pour ça, parce qu'on a eu moi, Ricky, je sais. Ils m'ont amené. Oui, ta gueule, le robot. Ils m'ont amené en prison et ils se sont évadés sans moi. Ils m'ont laissé en plan. Non, moi c'est pas pour ça, j'en ai rien à foutre. Ta ça. Gueule, le robot. Et alors, moi c'est pour ça, il a brûlé le concess. Et ap... much noise. Ta gueule, le robot. Et après, il est tiré dans le qui, il est tiré dans la bouche. Ouais, ta gueule, le robot. Dis, Yuri, ta gueule. Il va. Arrête, attends. Oh. Ça a marché. Ouais. Ok, parfait. Eh, il a brûlé le concess, il a tiré sur Ricky, Demi m'a tiré dessus en plein milieu du barrio, et Luis, il a rien fait. Luis, il a libéré Miguel qui était ligoté, et du coup, Miguel a pu brûler le concess. Et Ricky a voulu tirer sur Luis. Mais si l'autre l'a tiré dans le barrio, sur ils lui... Ils étaient trop avec des armes, j'étais tout seul avec 3 munitions. Oui, il était tout seul au barrio, Non, seul, mais moi avec une arme, tout seul avec oui, moi mais avec mon arme. Il a braqué pour lui tirer dessus. Il a sorti, en gros, il a brûlé la voiture de Blake, il l'a fait exploser et Rikiki, il a sorti son arme, il a tiré. Ah, Ricky, il lui a mis une balle, l'Orio. Ouais, vraiment, hein. Ouf. Et quoi, il est mort? Il lui a dit, tu montes pas dans la voiture. Bah, c'est fini. Et vous l'avez revu, là? Non, pas de nouvelles, il est à l'hôpital depuis 2 jours. Ah, bon, bah allez, ça s'annonce bien. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Robot, on doit faire quoi? Maintenant, c'est quoi le but là? Je comprends pas. Faut dire là maintenant, là. Siri, on doit faire quoi? Dis Siri, on doit faire quoi? Vous devez rester vivant. Dis Siri, envoie un message à maman, Marc, je t'aime. Excusez-moi, je n'ai pas de numéro, maman. D'accord. Ok, est-ce que les autres vagos qui étaient hier avec moi, ils sont où? Ils sont morts? Ils sont où? Qu'est-ce j'ai l'information, moi, alors je te dirai. Ah, bon, c'est pas possible de transmettre cette information. Okay, dis Siri, envoie un message au créateur, tu dis nique-toi par deux, Ricky. Non, mais s'il vous plaît, les robots, Aren, Aren, qu'est-ce que tu attends de nous? Je comprends pas. Merde, pardon. Nous devons encore implanter certaines puces dans certaines personnes. Le jour J sera venu. Vous serez de nouveau contacté pour une mission importante. Mais pourquoi? Vous avez été choisi en fonction de plusieurs critères. Je suis l'élu? Casier judiciaire, antécédent familial, carnet scolaire. Et moi, je suis choisi aussi? Analyse des raisons. L'implant a été mis dans votre bras hier. Et il va me faire quoi l'implant concrètement? Bah, c'est exactement. Est-ce que c'est quoi? C'est une position? C'est quoi? L'implant sera utilisé uniquement le jour de la mission pour venir vous chercher. Ok, et si je me coupe le bras, tu vas faire quoi? L'implant sera déclaré non mouvant et vous serez déclaré sera mort. Déclaré quoi? Non mouvant. Oui. Et vous serez déclaré mort. Et ok, et si je me coupe le bras et je fais bouger mon bras? Je le tiens à la main toute vous la journée. Vous serez déclaré vivant. Mais comment tu me déclares vivant? Je suis tout le temps déclaré vivant puisque je suis vivant. Votre position nous est communiquée en permanence. Ok, le robot. Ces informations sont données uniquement à un système top secret. Le robot. Écoute-moi, il y a une question pour toi, d'accord? Tu m'écoutes bien. Si je prends le livre de William Shakespeare, d'accord? Une œuvre qu'il a faite. Tu connais une œuvre de William Shakespeare, par exemple? Négatif. Bon, une œuvre n'importe laquelle. Je vais dans le passé, d'accord? Je croise William Shakespeare avant qu'il ait écrit l'œuvre. Et il lui donne le livre. Et grâce à ça, il prend le livre, il fait une œuvre et ça fait un succès planétaire. Jusqu'à que ça revienne en 2021. Qui a vraiment écrit le livre? Ah... William Shakespeare. Ben non, parce que c'est moi qui lui ai donné. Si. Non, c'est moi qui lui ai donné. Vous lui avez donné une œuvre qui a été rédigée par lui dans le passé, non. Qui n'a pas connaissance sans sa création. Oui, qui mais... est une inception, vous n'aurez pu lui rendre. Oui, mais peut-être que dans le passé, c'est quelqu'un qui lui a écrit aussi, et qui lui a donné. Dans cette possibilité-là, il nous faudrait l'identité de l'écrivain en question. Ben pour oui, définir mais c'est... l'auteur. Mais c'est la question que je te pose, Cameron. Bon bref, les robots, tenez-nous au courant, d'accord? Dégagez du barillo avant qu'on vous tire dessus, par favor. Non, c'est des robots. Menace détectée. Non, pardon, pardon, non. Non, restez ici. Restez comme vous voulez. Bienvenue, Do. Stop. Non. Oh la vie de ma mère, qu'est-ce qu'il a fait toujours? Tu me casses les couilles, Miguel, vraiment. En plus, il court le plus vite. R, Lorio, venez voir. Hier, il a tiré dans le barrio, hier. Oh, regarde, là, je suis dans les, là où on se change. Regarde, il avait des dons d'honneur. Oh là. Bah alors, les robots. Ah, il tire. Ouais, tu sais qu'hier, c'est passé à travers le vitre. Oh, tu crois que t'es dans en sécurité, là? Bah, ils savent pas ce que c'est, un don d'honneur. Si bah, il m'a dit, il avait pas de doigts, Eren. Attends, mais il y en a trois. Il y en avait pas trois tout à l'heure.
Mais quoi? Attends. Qu'est-ce que t'as fait, Miguel? T'en as libéré un autre carrément, c'est bon? On s'excuse. Stop, on s'excuse, robot. Ouvre la fenêtre. Pardonne. Il arrive toujours, il se passe tout. On s'excuse. Toi, ferme ta gueule, toi. Toi-même. Au revoir, les robots, au revoir. Au revoir. Il a essayé de me frapper à moi? Oh là là. Tu tapes, je rends. D'accord. Je vais te montrer. Ah, tu... Oh là là, voilà. Bon bah. Bah oui. Il sort une arme. Bon. On l'amène au cimetière. Je devais prendre 8 en tôle. Oui. Pour libérer. Et ça, oui. Ça a tiré. J'ai pris des balles et je me suis réveillé avec ce robot de merde qui était en train de me recoudre. Je sais pas ce qu'il était en train de me faire. Juste ce que je sais, c'est qu'on peut pas vraiment. Enfin, moi, je peux pas vraiment rester ici. Parce que si je me coupe les cheveux, je dois faire quelque chose. Mais attends, pourquoi tu es rentré? Ça a tiré, on a tué des balas. Les flics sont arrivés pile au moment. C'est parti en course-poursuite, j'ai pris en otage des flics. Après, ils m'ont mis tout ça avec le port d'âme et tout. Après, le procureur, je l'ai savaté parce que c'est un fils de pute et voilà. Ils m'ont mis 8 ans pour tout ça. Il a demandé 30 ans, il m'a mis 8 ans. Aïe, aïe, pourquoi tu me frappes moi? Cabron! Aïe, Riffé! Riffé, je fais quoi? S'il a vraiment pas mal. Aïe! Qui les a recrutés ces vagos là? Lorient! Lorient! Moi ça fait. Tu m'as déjà vu la dernière fois même. Lorient, il y avait peut-être câble! Qui a recruté ces vagos là? En gros, lui tu le connais, mais il était habitanté. C'est un habitanté, lui c'était un habitanté. Bon, plus maintenant. Aïe, arrête! Aïe! Mais en fait, c'est moi, il est pas de force! Il te fait pas assez mal! Voilà, il faut le frapper vraiment fort en fait, lui. Il est dur. Aïe, aïe, aïe. C'est le surfeur d'argent, il a un peu la tête dure. Ah, lui c'était un habitante, je m'en rappelle. Oui, voilà, c'est lui. D'accord, et où le dernier vagos là, qu'on a recruté? Bah, il est mort hier ou en prison. D'accord, parfait. Akil, les gars, libérable. C'est qui? Quoi? Akil, c'est l'autre nouveau. Ah, c'est l'autre nouveau, ok, on va le voir. Ouais, ouais, oh non, 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 mais. Viens au barrio, hermano. Échappé là, c'est la merde. T'es échappé, toi? Il était pas en prison, lui? De garde à vue. Quoi? Mais. Ils sont les autres? Viens au barrio, tu vas tout nous raconter, viens. Je suis dans un tunnel là, je suis en train de courir. T'es où ça? Vas-y. 0451, envoie une pause. Mais il doit pas être loin du commissariat. Hein. Vous aviez rien dit à Camélia? Qu'il est en prison? Elle était pas là, Camélia. Vous lui avez rien dit? Elle était pas là, elle est partie. Mais oui, elle était où? Rien de mal, il s'occupait d'elle. Elle est revenue hier, enfin avant-hier. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me regardes? Ah ouais, donc on n'a pas le droit de passer du coup. Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu de la route? Je voulais vous demander si vous voulez. Non, tu me déposes pas. Ok, bonne soirée. Oui, c'est ça, oui, bonne soirée. Hijo de puta! Tiens, Miguel, je te présente Akil. Un mandala jaune. Comment il s'appelle? Miguel. Mais discret. Akil. Hola, Akil. T'es recherché, fils de pute! T'es recherché! Parce que déjà, il a l'air marrant, lui. Je crois qu'on rigole, on n'est pas là pour rire. Et prenez pas la légère, les gars. Oh, hier, attends, ce qui s'est passé, c'est passé un truc de dingue. Hein. Ceux qui sont là-bas, ils vont prendre perpète. J'ai l'impression que vous prenez trop la légère. Quoi? Réfé, Camilla aussi, elle enlève son jaune ou pas? Bah, elle est pas recherchée, mais bon, voilà quoi. Après, il faut pas trop qu'on se fasse voir par ici, c'est pour ça que moi j'aime pas. Regarde, j'ai même pas la paillette. C'est bon, ça fait pas chanter. Réfé? Ouais. Y'a quelqu'un pour vous dehors? Juste pour savoir. C'est Boudar? C'est qui? Bien sûr! Ok. Bien sûr, y'a Boudar! Moi aussi, j'ai Boudar. 5 années, je suis resté! Ta gueule, les amoureux! Lève les mains, par favor! 5 adios! Je suis là, viens sur lui! Pas un message, pas un texto, pas une visite, un mandat! Pas une orange! Rien! C'est bon, ils sont dans le coffre, ma fille! Comment tu veux que je t'envoie des mandats si je sais même pas que tu es en prison? Pourquoi? Tu t'es pas renseigné? Vas-y! Renseigné comment? Je me pointe en prison! Bonjour! Est-ce que Miguel est là, s'il vous plaît? Bah, demande aux vagos, pourquoi? Où est? Je leur ai demandé. Elle est Hermano! Mais il est avec toi? Vous trouvez pas? C'est bizarre, mais Miguel, on n'a pas de nouvelles de lui! Et arrêtez pas de demander après toi, j'ai même fait ma pleureuse! Connasse! Elle va me taper! Aïe! T'inquiète! Arrête! Il rigole pas! Je suis énervé! Ok. Tu aimes bien mon nouveau look? Même moi, j'en sais rien! Ça sort de l'ordinaire! Les mocassins, j'adore. Merci. Les gars, ils sont venus me récupérer. Voilà. Attends, Lorio, une petite pause, pour favor, d'accord? Je vous souhaite la bienvenue. Comment il s'appelle? Akil. Oh non. Aïe. Aïe. Arrête. Aïe. Bon, c'est validé. Ok. Pourquoi tu t'es mis derrière moi? Mais là, il est tombé dans les pommes, là.
Miguel, il m'a dit de me mettre derrière quelqu'un, je me suis mis. Ah, d'accord. Mais il l'a tué là. Ah, il l'a tué. Arrête, pour de vrai? Ouais, tu. Non, non, ah, vraiment, tu l'as tué là. Hein. La vie de ma mère, tu l'as tué. Deux gars en l'espace de 10 minutes. Merde, pardon. Il voulait la... pas. Le coup pied de la mort. Je l'ai mis dans le coma. Ouah, c'est un Vagos, il est très, très fort. Mais. Waouh. Mais lui, il est trop fragile. L'autre, il est très, très dur. Lui, il est trop fragile, lui. Mais il a plus de pile ou quoi? C'est bon, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Mais. Oh. Mais. Attends, mais. Ils sont morts? Il a la maladie des os de verre. C'est absolument rien du tout. Je sais que j'ai une putain de balafre là. C'est tranquille. Comment t'es fait pour ça faire mal? Mon ventre. Non mais ne l'aide pas. Doucement. Et pourquoi tu l'aides? Vivant ou pas? Je sais rien. Mais il fait juste à chaque fois, je crois. J'ai les mêmes infos que toi actuellement là tout de suite. Ok, bah alors viens voir. Tu vas essayer de me frapper là? Hein? T'as vrai? Mais pitié, mais dis aïe. Mais je t'en supplie. Bon. Pardon. Il va pas comprendre. Ils ont vraiment du mal les nouveaux hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a avec moi? Tu prends des coups de bain dans... Non mais l'aide pas, il faut qu'il comprenne tout seul. Je l'admire ce mec, je l'admire, il est tellement fort. Il faut qu'il y arrive tout seul à comprendre. Mais attends, mais fais un exemple, il va comprendre, fais un exemple. J'adorerais le truc. Apparemment, on va même faire le truc. Ok, vas-y, je te montre. Et comment tu t'appelles toi? Moi. Oui. Akil. Ok, regarde. Ça, c'est quand il te frappe, Akil. Tu vois, attends, attends. Aïe! Ah. Yeah, attends! Regarde, ouais. Akil. Ça, c'est quand il te frappe. Tu vois? Regarde, et maintenant, il veut frapper Louis. Attends, Louis, laisse-moi vas-y. Te frapper. Ah! Arrête! Ah! Arrête! Tu vois, regarde, attends, il te montre. Ah! Quoi? Plus fort encore. Ah plus fort. Non vraiment c'est terrible hein. Bon oh, mais... je m'en occuperai plus tard. D'ailleurs comment tu t'es échappé de prison? Ouais truc de fou. En gros c'était pas le même Poyos qu'hier qui m'a mis en garde à vue, t'as vu? Du coup je lui ai dit ouais j'ai volé un véhicule, on m'a mis mes amendes, vous pouvez me laisser sortir. Il m'a laissé sortir le con. Et voilà c'est fini. Ok. Ah j'en ai marre. L'Orient, putain, tu es où? Nouvelle génération. Mais c'est où? Oui, mais je sais pas où tu es. Faut vraiment vérifier là où on recrute des vagos, L'Orient, hein. J'en ai marre des hommes de fer. Mais ça, fais-lui confiance, s'il te plaît. Oh, mais alors je remets la faute sur toi si en tout cas ça part. Ok. Ok, alors je rebalance. Vas-y, Didier, raconte tout. Je redis, Pipas égale fils de Mason ou tu moins fan. Fils de Mason, tu vois. Voilà, entre guillemets. T'as dit Mason, fils de Mason, tu vois. Ouais, ou fan d'après Louis. Louis, affilié à Pipas, mais il sait plus trop quoi faire parce qu'il est perdu. Et là, de ce que j'ai compris. Ils sont juste là, ils écoutent. J'espère que tu parles pas fort. Hein. Je parle un tout petit peu à moitié fort. Et ouais. Là, tu vas me mettre. Là, ils sont partis en courant. On va attraper Louis et je vais le questionner. Et si il s'avère. Moi, je vous le dis maintenant. Si il s'avère que tout ça est vrai, Louis sera mort de mes propres mains aujourd'hui. Regarde, moi je te redis les choses. Hier, quand j'ai kidnappé Louis par rapport à. Ah oui, Pipas, j'ai oublié, frère. Louis, il m'a tout balancé parce qu'il pensait que t'étais mort. Et Louis voulait me tuer. Et Louis, je sais pas, Louis il hésitait avec, de fou. Louis, il savait pas quoi faire. Le fils de Vertugo. Qui t'a dit ça? Louis, hier soir. Pourquoi il t'a voir? Parce qu'il pensait que L'Orient il était mort. Et du coup parce qu'il a braqué Louis avec McCormack. Et du coup, il a tout avoué. Il veut des coups de machette. Mmh. Mais est-ce que tu peux esquiver ma droite? Il est où, Louis? C'était vraiment nul. Et là... Il arrive, il est là-bas, là. Moi, je pense que c'est taillé. Il a entendu, il s'est taillé. C'est barré, c'est barré. La dernière fois que je l'ai vu, c'était là. C'est barré. Eh, Louis, hermano, tu es où, mon amigo? Ah, il est à... attends. Mon amigo, Louis, tu es parti où? Je vais vos mères. Pourquoi, mon hermano? Hermano. Ben oui, pourquoi tu es parti? Ah, mon hermano. Pourquoi tu es parti, Louis? Je suis parti. Ouais, pourquoi? Ah bon? Et ça, il nous a parlé de quoi? Bah rien, pourquoi? Rien. Pourquoi tu viens pas nous l'expliquer toi-même? Attendez, je suis Louis, je suis en panique. Pourquoi tu es parti? Eh bien, c'est quelle va être la sentence, L'Orient? C'est les lois du barrio? Bah, viens m'expliquer devant.
On a chacun monsieur notre pas, monsieur terrain, pas Camilla, monsieur pas. Donc là, tu confirmes juste ce que dit Mason, ne le croyez pas. Écoute, bravo. Je l'ai dit, c'est fait. Ok, bravo, très bien. Tu veux que je te dise quoi maintenant? T'es un homme mort? Ça va être le cas si tu me retrouves, donc bon. C'est quoi, je vais même pas te rechercher. Tu vas pourrir tout seul, là où t'es. Démerde-toi. Vraiment, oui, ça s'arrête là, c'est tout, simplement. Je ne vais pas te chercher. Le médical, Louis, les réponses sont les verras demain. Ricky doit mourir, Donnie doit mourir. Mais Ricky, peut-être qu'il y a les toits, hein. Ricky, ce fils de pute, et Donnie. Il faut qu'ils crèvent ces fils de pute. Moi, je pense pas que Ricky et Donnie veulent te buter, hein. Ils m'ont pris eux-mêmes. Oui, mais ils t'ont donné une mission, et la mission, au final, elle sert à rien. Je sais, avec le banquier. Mais ils pensent que je suis une balance. De base, c'est pour ça. Et la dernière solution, avant qu'ils me tuent, ils étaient comme ça. Il m'a dit, on va te donner une dernière chance, c'est de choper McCormack. Sauf que j'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient tuer McCormack. Et pourquoi tu l'as pas pu le faire? Parce que c'est là où je me suis fait arrêter par les flics. Parce que les balles nous ont tiré dessus, il y a cette fusillade et tout s'est enclenché. Et là on a Louis avec 15 millions de dollars qui a trahi le barrio. Il a 15 millions Louis? Ouais, 15 millions. Les 15 millions que McCormack nous a donné pour fumer les Yakuza. Il ne gérait plus les armes. Je sais pas moi d'un. Qui gère les armes? J'ai pas l'info qui gère plus du coup. Ça marche plus quoi? Attends, je vais faire quoi? C'est pas une bonne idée si je l'appelle. Non, l'appelle pas. Ah, il a raté, arrête de mentir. Je suis passé à côté. Arrête, il a raté. Là c'est bien, là c'est pas bien. J'étais vraiment synchro là. Bah oui, c'est normal, il était poussard. Mais Ricky, il est tout ouvert, Ricky, il est mort. Tu comprends pas. Rien, t'as juste mais il a eu une tirée dans la tête. Ah bon, si tu veux. Bon, bah, ça me va. Bah oui. Ok, mais il reste Donnie. Et alors, Donnie, c'est un nain. Ah bon? Il faut juste, il faut sauter. Les nains sont plus faibles que nous. Non, il faut juste, en gros, c'est plus compliqué pour lui de viser, pour qu'il en contre plongée. Ça veut dire que c'est facile pour le tuer. Après, oui, par contre, il a un avantage. On a du mal à le viser. Il a une petite parce hitbox. Qu'il est tout petit. Oui. Voilà une petite. Non, j'ai fait du paintball moi avec Donnie, hein. il est fort hein, l'enculé avec sa petite taille. Arrête, il a essayé de me tirer dessus, il a raté 3 balles avant de me toucher, ce cabron. Ah ben avec moi, putain, il rate pas. Il est tout petit, il court vite, comment tu veux le viser? Force à Ménangui. Force Ménin, mes frères. Et quoi, tu comptes buter Ricky et Donnie? Mais non, mais tu es devenu fou, Lorio, tu peux pas les tuer comme ça. Mais oui, je sais que je peux pas les tuer comme ça. Mais c'est la seule solution pour lui. Sinon, faut pas tuer. En fait, là, si j'y résume, il y a. Les gars, y a un robot pas être raciste des nains. Si je fais pas une mission, il y a Ricky et Donnie qui veulent me tuer. Il y a Elias avec moi, là, Jalaus. Ils veulent me tuer, il y a la police qui me recherche. Je fais quoi? Et tous mes gars ne sont plus là. Tout problème a une solution. Mais il faut qu'on sache s'ils sont morts ou pas, hein. Bah, d'après Louis, il y en a certains qui sont morts et ceux qui sont pas morts, ils sont en perpétuité. Ok, et qu'est-ce qui te dit maintenant? Je vais soulever une question qui va te faire mal, Lorio. Tu es prêt? Vas-y. Qu'est-ce qui te dit qu'ils ne font pas semblant d'être morts pour te baiser? Les autres, Guero, Radamel, tout ça là. C'est possible, mais j'ai. Je sais rien, c'est possible. Radamel, il a son jugement de. Allez, va te changer, espèce de poutard. Allez, va, allez, viens. Allez, viens, Camilla. Radamel, il est vivant. Allez, Camilla, benga. Il est en cellule, il va à son jugement demain. Benga, ta mère. Tu crois t'es où là? Tu crois t'es escorte? Mais tu te fous de ma gueule, quoi? T'es une escorte, toi? Comme hier, ça va faire comme hier. Absolument pas, mais tu me parles de quel ton là? Tu es une escorte? Mais absolument pas. Il te donnait plus d'argent, donc du coup, tu fais la prostituée? Moins d'argent, moins de tissu. Ok, eh ben c'est bon, je suis de retour, tu vas t'habiller. Plus d'argent, plus de tissu. Okay. C'est bon, il va te donner un petit peu. Mais comment tu as fini en prison, toi? Ben... 5 ans en prison? Ben oui, 5 ans, et encore, il aurait dû rester plus longtemps, mais il est balançard. Balançard qui? Ben Ricky et demi. D'ailleurs, tu... tu t'entends comment avec eux? Ben pas trop bien, pourquoi? Non, tu poses jamais des questions comme ça. Allez, dis-moi. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Demi, t'as baisard pendant qu'il était pas là? T'es lourd à penser que tout le monde me baisard quand t'es pas là. Bah, y'en sais rien, moi! Et dépêchard, hein, y'a pas que ça à faire. Voilà, c'est très bien ça. Ce que t'avais avant, c'est très bien. Quoi. Ça? Avant. Edouard. Ça. Là, voilà, parfait, allez, viens. Là, tu es parfaite. Bah, respire pas. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, là? Il faudrait pas que les atomes de ton nez puissent s'échanger avec d'autres ombrés. Non? Tu crois pas? Ah, tu vas partager ton oxygène, toi! Tu es une puta! Mon oxygène? Oui? Je trouve que t'as déjà assez de mal à partager ton oxygène avec moi, je vais aller le partager avec d'autres ombres. Tu vas partager ton carbone avec d'autres ombres. C'est ça que tu veux faire en fait. Tout ce qu'ils en prennent de moi, c'est le CO2. C'est tout. Ben c'est déjà trop. Tu donnes pas, c'est ton CO2 à toi. Il est pour d'autres. Tu veux une bouteille? Oui, pour favor. Ok. Il veut la renifler. Dès que j'ai des infos, je te tiens au jus. Tu me dégoûtes. Okay. Attends, mais Miguel, t'as changé d'habitude là depuis que t'es en tôle. Quoi? Mais pourquoi l'habiller comme ça? T'aurais dû faire. C'est Miguel, très fait. Pourquoi t'es habillé comme ça? Faire un top là. Pourquoi t'es habillé comme ça?
C'est Miguel qui a... Tu dois même percuter. Elle était habillée comme une puta, il lui a fait tout le correct. Parce qu'apparemment, je dois pas échanger mon CO2 avec les autres hombres. t'as rencontré qui en prison? Parce que tu commences à me faire peur. Hein. Comment ça, Yo? Non, je te tiens au jus. T'inquiète. Vas-y. T'inquiète. C'est quoi la prochaine? Ton numéro, c'est toujours le même? C'est... Attends, je te dis... C'est 6-9-6-9, c'est la position préférée de sa mère, la puta, mais ils sont les cabrons. Moi j'ai 99-45. Tu t'appelles maintenant, c'est beau ou pas? Ben appelle-la ta mère, appelle-la. Non, on va voir si tu lui diras. 99-45, j'ai. 53-81. Les personnes tristes là, je vois, ça se fond la poire, se fond. Ça se fond la poire, F-O-N-D, Onizuka? T'es sûr? C'est ta mère, moi, Miguel. Eh, tu veux pas que tu t'aires dessus? Déjà, regarde. Vous pouvez le braquer, les amigos, par favor? Ok, pas bougeard. Arrête, bougeard. T'as pas un peu de munitions pour moi? Si, toi, non, parfait. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Parfait. 12 balles ou... Ça va, il est pas fait la puta. Ah, tu m'as laissé 5 balles. Ben, c'est 5. Alors, je t'ai passé 15 balles hier. 5 têtes, ça suffit. J'ai perdu. Je suis plus comme avant, Miguel. Il me faut au moins 20 balles maintenant. Redonne-moi 5 balles. Nique ta mère. Allez, dégage de mon barrio. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Mais il saute. Quoi? Tu me ramènes à boire? À boire? Oui. Non. Pourquoi? Non. Pourquoi, hermano? Non, ça va, non. Allez. À moins que j'ai un truc à y gagner, tu vois. Tu te rappelles? Quoi? Attends. Tu te rappelles ta focus right? C'est trop dur de fuser après ça, fils de pute. Non, c'est bon, par favor. Hermano, c'est bon, regarde. Je me lève. Il va la chercher moi-même, d'accord? Oh, je suis choqué, le gros là, il vient de se lever. Oh, hermano! Arrête de faire des tremblements de terre. Wesh, il marche. Devine, il a pris quoi à boire? Un capucin? Non. Ma mère la pute? Non. Un Pepsi? Non. Un Oasis? Non. De l'eau? Oui, hermano. De la cristalline, pour que je suis healthy. Mais qui es-tu, mec? Qui es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé ces deux semaines, wesh? Tu bois de l'eau? C'est trop! Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, il est changeur. Est-ce que tu vas te couper les cheveux? Non. Vu que t'as changé. Non, hermano, non. Faut que tu retournes à l'ancien arc. Bref, on va éviter d'en parler plus, mais redeviens l'ancien mec. Non, hermano. Redeviens le mec de 2018 qui faisait des snaps avec des stories Instagram drôles. Des snaps avec des stories, d'accord, allez, nique ta mère. Vous êtes où, là, hermano? Qui allait faire des colonies de vacances avec des gosses et qui leur faisait on va changer dans un magasin de vêtements et on se fait très très discret. Pourquoi on se fait discret? Tu veux la position? Bleu. Et pourquoi on se fait discret d'abord? Grand-père, connasse, tu es au téléphone avec qui? Le jefe, il va t'expliquer si tu veux, on t'envoie la poste. J'essaie d'appeler Gato. Envoyeur. Gato? Pourquoi? On n'a pas de nouvelles, apparemment. Tu as l'air beaucoup plus chamboulé de ne pas avoir de nouvelles de Gato pendant un jour que moi pendant 5 ans, par contre, hein. Il y a l'impression. Parce que moi, il disparaît pendant 5 ans, rien du tout, oh, c'est bon, c'est tranquille. On est à côté. Mais on par contre, Gato disparaît pendant une soirée, madame est en pleurs. Il n'est pas arrêté de t'appeler, ok? Et moi, je ne suis pas censé attends, être au voir, courant. Je vérifie, appelle en absence. Attends, fais voir, je vérifie. L'Orio, il y a 21 minutes, demi, 24 heures. 57-23, il y a un jour. Mason, il y a un jour. Ricky, 2 semaines. Commandant, 2 semaines. Ambulance, 2 semaines. Non, Camilla, non, il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas. Bizarre. Ben alors, comment t'expliques ça? J'ai rien reçu de toi, tu m'as pas écrit une seule fois. Ah, ben c'est normal. Il y avait... rien du tout. Mais il n'y avait pas de crédit, cabronita! Cabronita, tu peux envoyer une lettre, non? Attends, c'est la voiture du commandant, hé! 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 Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est le commandant, t'es? Ah non. Non. Ah, nique ta mère, j'en ai marre. Toi, nique ta mère. Merci, toi aussi. Quoi? Les poyos, ils disent ça? Bah, apparemment. Comment ça, les poyos, il m'a dit... Attends.
Ça sortait du cœur en plus, le sien. Attends. Por favor! Por favor! C'est lequel le poisson qui m'a dit que ta mère? C'est moi. C'est quoi ton matricule, por favor? J'ai pas de matricule, moi. Si, t'es obligé de me le dire. Ah non, j'ai pas de matricule. Si, hé, les poisson, t'es obligé de me dire le matricule. Non, mais je n'ai pas de matricule. Et pourquoi? Pas de matricule pour le coup. Parce qu'on n'est pas des poyos. Mais vous êtes quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous êtes quoi alors? Réponds. On n'est pas des poyos. Et vous êtes quoi alors? Pourquoi tu nous insultes? Vous êtes quoi alors? On n'est pas des poyos. Ok, vous êtes quoi alors? Pourquoi tu nous insultes? Mais arrête, réponds! Je répondrai quand t'auras répondu à ma question. Mais il vous insulte pas, pourquoi? Vous êtes des poyos, mais si vous êtes pas des poyos, vous êtes quoi? Bah si on n'est pas des poyos, tu dis désolé. Non, si on n'est pas des poyos, tu me dis vous êtes quoi et il voit si vous insulte ou pas. Ça sent sa collègue comme argument? C'est censé. Bah oui! Il a un chapeau de la BCSO, c'est quoi ton nombre? Ouais. Garcia. Garcia, Garcia, l'insulteur de mer. D'accord. Ouais. Au revoir, nique ta mère. Garcia, l'insulteur de mer. Qu'est-ce que tu veux, Garcia? Bon, attends, il appelle le commandant. Mais appelle le commandant. Mets-toi sur le côté et descends du véhicule, s'il te plaît. Oui, je descends. Attends, Dar. Merci. Il envoie un texto en même temps. Allô? C'est bien. Allô? Ah, oui, monsieur le commandant Thor, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Je suis avec des ripoux. Oui, il vous envoie une position, par favor, venez vite. Il est plein en flagrant délit. Ok, j'arrive. Par favor. Qu'est-ce que tu veux? Du coup, je vais vous amender pour le demi-tour non autorisé en centre-ville. D'accord, amende. Ouais, ok. Attends, il veut payer cash, il peut? Allez-y. Non, pas cash. D'accord, bon, il fait un super, tiens le chèque. Attends, il le frotte à mon cul, regarde. Pas de soucis, il le frotte à l'arrêt de mon cul, regarde, ouais. Il y a un peu de marron dessus, tiens. Y a pas de soucis. Prends-le. Hop, merci. Attends, le commandant. Vous allez bien, madame? Non plus, très calme depuis la naissance. C'est inné. Un calme à toute épreuve, exactement. Garcia pour Arribas. Aripou. Garcia pour Arribas. Aripou. Moins calme. Voilà, on a pas honte sûrement. Commandante, comment vous allez? Ça va très bien, j'étais sur le point d'aller dormir. Mais super, du coup. Vous avez une ripou? Ah, je suis ripou, monsieur le commandant. C'est le monsieur Garcia. Il passe, il fait une demi-tour mal fait. Il m'arrête, okay, il paye l'amende. Il me dit nique ta mère. Je dis comment ça nique ta mère? Vous en avez pas ou quoi? Ça, Garcia? Oui, allez. Tu as dit ça, Garcia? Réponds. Oui. À vous de savoir si j'ai dit ça. Réponds oui ou non, Garcia. Oui ou non? Non, pour moi, je pense que tu ne l'aurais pas dit. Maintenant, okay. Ça va te me dire oui. Garcia, tu es un agent assermenté. Le commandant, ouais, ça, ouais. Le commandant te pose la question simple, une question fermée. Tu dois répondre oui ou non. Garcia, le commandant, posez-moi la question. Garcia, as-tu dit nique ta mère? Vas-y. Posez-moi la question, As-tu dit à cet individu nique ta mère? Une question fermée, oui ou non? Je lui ai dit toi, nique ta mère. Voilà, merci, monsieur le commandant. Je vais me demander pourquoi, donc, certainement, commandant. C'est vrai qu'il a dit. Oui, ça. Si tu lui as dit toi, nique ta mère, je suppose qu'il a dit à toi d'aller niquer ta mère. Alors, je vous dis ce qu'il m'a dit. Vous êtes le commandant? Il dit non. Il m'a dit, oh bon, bah toi, nique ta mère. Oui, parce que moi, il respecte que vous, monsieur le commandant. Oui, mais en fait, monsieur Miguel, oui. Le truc, c'est que c'est pas en disant toi, nique ta mère. Oui. Qui va pas vous répondre, oui. Certes. Mais moi, je suis une voyou, je suis une crapule, je suis une vagos, moi, je suis insultard. Mais les poyos, ils disent nique ta mère, les poyos. Comment t'en t'es? Il s'est certainement laissé emporter pour le coup. Ah, et voilà, il ne recommencera ça, pas. Je voudrais des excuses, par favor, commandant. Je m'excuse pour mon agent. Non, s'il vous plaît, de sa part. Parce que vous, je sais que vous êtes un hombre honorable. Non. Mais lui, aujourd'hui, c'est moi. Demain, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. Donc, il voudrait qu'il s'excuse. Sinon. Je suis responsable de monsieur Garcia. Non, commandant, après, il veut porter plainte. Ça va être une procédure longue, des papiers chiants, commissariat. Oui, il veut prendre la déposition, tout ça. Alors que s'il s'excuse, ça va plus vite. Alors, monsieur le commandant. Commandant, je suis pour la procédure. Vous avez entendu mon agent, du coup? Moi, il l'a fait avec vous. Il veut pas faire de la procédure avec celui contre qui il porte plainte. Ça n'a pas de sens. Mais en gros, vous pouvez aller porter plainte, quoi. Bah, d'accord, bah avec vous. On y va?
Ah, vous êtes sûr, vous allez pas le faire s'excuser? Bah, s'il veut pas s'excuser, c'est son droit. S'il veut aller à la procédure, je la fais, moi, la procédure. Commandant, vous avez encore besoin de moi? Ah, donc, Attendar, Garcia, Attendar. Ouais, j'écoute, monsieur. Donc, le pauvre, le commandant, il arrive, il dit, il allait dormir, il arrive en baillant, il est fatigué, la France, elle a perdu. Ouais. Il est dégoûtard. Et toi? Ne remettez pas ça sur le terrain. Et toi, quoi, Garcia de merde, au lieu de. Surveillez vos propos, s'il vous plaît. Pardon. Non, laissez-le. Au lieu d'épargner ton commandanté, tu vas lui ajouter une. Attends. Et au lieu d'épargner ton commandanté, tu vas lui rajouter une procédure chiante. Au lieu de t'excuser. Ah ouais, commandanté, d'accord. C'est comme Garcia, ça. Tu me feras rapport sur la situation et je vais prendre la plainte du monsieur. D'accord. Ouais, pas de problème. D'accord. Suivez-moi. C'est quoi votre nom, monsieur? Miguel Raconte. Allez, dégage, Garcia. Va faire le rapport, pour favor. Commandant, vous avez encore besoin de moi? Non, c'est bon, tu peux y aller, Garcia. Merci, commandant. Bonne soirée. J'aime bien les flics durs comme ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Les propos, monsieur Raconte, là, ça va. C'est bon, il porte pas plainte. Pour que tu me fais de la peine, mais hermano, un pollos, dis panique ta mère, hein. Je sais, mais regarde. Quand vous voyez que même le procureur peut dire des trucs comme ça ou autre, c'est que les gens, au bout d'un moment, ils vrillent. Après, moi, je sais te dire. C'est leur mental qui joue là-dessus. Commandanté, mais... la prochaine fois, il lui tire dessus, il va en prison, il utilise mon joker, t'as compris? C'est une manière aussi de gérer la situation. T'as bien compris, commandanté, il n'y a pas envie que ça arrive, hein. Et vous devez le garder, non, pour un truc plus sérieux. Par contre, monsieur Raconte, c'est pas parce que vous êtes un gangster, un grand méchant ou je ne sais quelle autre personne, voilà, que vous pouvez vous permettre d'insulter gratuitement juste parce qu'il n'est pas le commandant. Il insulte. Il n'y a que vous qui êtes respectable. Oui, mais respectez-les quand même aussi, parce qu'après, eux, ils voient quoi? Ils voient juste quelqu'un qui les insulte gratuitement. C'est pas gratuit, il insulte pour que c'est une poyo, c'est pas gratuit. Ouais, enfin bon, deux poids, deux mesures, ça dépend des points de vue pour le coup. Bah oui. C'est pas gratuit. Je suis pas une connard. Oui, mais bon, voilà quoi, quand même, ne leur dites pas, bah nique ta mère, c'était pas le commandant, quoi. D'accord. Merci, monsieur le commandanté, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Au revoir. Hey. Oui, Demi? Ça va? Nique tu puta madre traitera de merde. Nique ta merde, concha de tu madre. Nique ta puta madre traître de merde. J'espère, Ricky, il est mort, oh, cabron de merde. J'espère, il est mort. Il a des grosses cojones, il est mis sur ta puta madre. Oui, c'est grosses cojones de muerto. Pourquoi il est mort? Le gros nichard de tu madre. Pourquoi tu fais un accent? T'as pas d'accent, cabron. Je parle espagnol, je suis multilingue. J'ai mis même ma langue, je l'utilise très bien dans la chambre. T'es multilingue? Ouais, multilingue. Tu as plusieurs liens? Non, lui, là. Plusieurs langues. C'est quoi, t'es Google Chrome, toi, fils de pute? Comment ça, multilingue? Ta mère, c'est Opéra, ta mère, fils de pute, va? Nique tu puta madre, hijo de puta de cabron de merde! Ta madre, ça traître, putain de merde! Mais comment tu peux me traiter de traître alors que c'est toi qui m'as trahi? Arrête de me traiter, ça stunt, tu sais pas dire un mot, quoi, là. Parle bien, tu sais pas t'exprimer, c'est brouillon dans ta tête. Hermano, tu as pas de réseau, mets le téléphone un peu plus haut, hermano. Là, c'est bon, tu m'entends là? Oui, t'entends mieux. Nique ta mère, là, t'entends là. Nique ta putain madre, hijo de cabron de merde. Nique ta mère, t'es un putain de traître, tu fais exprès, tu veux juste nous trahir, tu cherches des prétextes. Arrête, c'est vous êtes sorti de prison sans moi. Ta gueule. Eh, chacun son tour. De quoi chacun son tour? Nous on sort d'abord et toi on allait sortir. C'est pas vrai, tu comptais pas me sortir? Ben, j'ai attendu 4 ans. Bah, fallait entendre encore. Tu es une putain de merde. Arrête tes caprices, sale bébé de merde. Ça y est, t'es dehors, tout va bien, tout est beau. Ah ben ça va alors. C'est pour le business. Ah ben oui, c'est parti alors. C'est parti, pourquoi tu te prends la tête? Oublie pas que je t'avais dit la dernière fois, deviens un grand du quartier. Pourquoi personne t'a sauvé? Parce que t'es encore un petit au barrio. Oui, et moi je vais dire à ton père que Ricky il a volé le œuf. Eh oui. Il est fait une clé USB. Eh oui, il y a une clé USB secrète que il est cachée. Elle est reliée à mon battement cardiaque. Et si jamais il meurt, il y a une mail qui est envoyée à ton père. Quoi? Écoute pas bien. Attends, mais je parle à Miguel ou une RTX là? Je vais faire un peu à toi. C'est quoi ce truc que tu me racontes? Attends. Quoi? Ok, je répète. Il y a une clé USB, d'accord? Il est branché à un ordinateur. Cette clé USB. Attends. Maintenant que y a plus tes couilles, t'as un port de libre. C'est vrai, j'avais oublié. Et en gros, cette clé USB, elle est reliée à un ordinateur et reliée à mon battement cardiaque. D'accord? Ouais. Et si jamais je meurs, elle est programmée pour envoyer une mail à ton père avec
Comme quoi, qui dit que c'est Ricky et toi qui avais volé le œuf. C'est comme ça, tu menaces. Eh oui. Mais on allait pas te tuer, pourquoi tu paniques? Menteur. Tu bug là, ta connexion est... Il est dit menteur. Ah, je mens pas, on allait pas... Il faut qu'on discute une bonne fois. Oui. Qu'on règle ça d'homme à homme. Oui. Ça t'arrête? Bah oui, t'en as quoi? Une desserte? Ok, je vais venir au barrio et je vais régler ça. Non, pas au barrio, Tu me fais un rendez-vous, toi et Ricky, et tu m'envoies une position. Vas-y, bah attends, vas-y. Et tu viens avec mon AK-47. Ah, je sais pas, on verra. Si Allez. Vas-y, je te rappelle. Dépêchard. Vas-y, on va faire ça. On fait ça. On va faire quoi? Ils sont où les autres, Camilla? Il y a Trevor, des bikers qui veulent me voir. Les Vagos? Vous avez acquis de réparation? Ils sont où les Vagos? Lorio, t'es où? Putain, on peut passer. Lorio! C'est moi, j'en ai. On peut pas. Ah, c'est bon. Eh, Lorio, tu es où? C'est moi, là derrière toi. La radio, elle est trop bien faite, on dirait que tu vas écouter. Miguel. Oui, oui. Devant toi. Oui. Non, devant toi. Arrête de parler radio, je suis devant toi. Attends, monsieur, par favor. Tu es où, Lorio? Je te vois pas, hein? Lorio! Lorio? Miguel, je suis. Miguel! Ah, oui. Parle par radio, retourne-toi. Oui, tu es où? Viens, avance. D'accord, il avance. Là, derrière toi. D'accord. Stop, arrête-toi. Il m'arrête. Là. Oh. Ah, il m'a arrêté, monsieur, ça va pas ou quoi? Attendez, je le vois. Mais c'est moi, c'est Lorio. Oui, mais je te vois pas. Mais c'est moi qui t'a frappé là-bas. Mais comment tu as fait? Ah, tu as envoyé le ombre pour me frapper? Mais tu es vraiment trop fort, Lorio. Tu es caché où? Lorio? C'est moi, Miguel. Il y a un mec qui s'appelle Edgy là-bas, il cherche Gonzalo. Lorio? La blague, elle est longue. Lorio? Là, c'est lâchez-moi, moi, monsieur! C'est moi qui te porte! C'est Lorio Taliban qui te porte! Ah oui. Pourquoi tu me l'as pas dit direct? Mais depuis tout à l'heure, je te le répète! Mais il t'avait pas reconnu! Tu es au courant des nouveaux prix? C'est double sur demi! Mon AK! En ce moment, c'est un peu compliqué. Je l'ai pas! Dis-moi juste le prix pour ça, je l'ai pas! Ok, par contre, Ricky! Je te donnerai le prix direct. Ricky! Okay. Demi, il a mon AK-47. Et si tu veux pas que je le tue, il jure que je vais le tuer s'il me la rend pas, il jure. Hein. Mais il l'a pas ça. Si, il m'a dit, il l'a récupéré derrière les buissons. Non, je l'ai pas. Si, tu m'as prévenu, tu m'as dit. Donc, mais non. Si. Mais non. Si. Ah ouais. Mais tu es vraiment fou là, t'es schizophrène. Donc, là, tu es fou. Donc, si il y avait au buisson à l'isola. Oui. J'ai vu les policiers fouiller les buissons. Ah, attention. Non, ils m'ont dit que non, c'est pour ça. Je vais donner à ton collègue. Ils t'ont dit non, ils t'ont dit on n'a pas trouvé ton AK-47. Oh, oui, c'est pour ça. Là, si jamais toi tu l'as trouvé, mais faut que je sache si tu l'as trouvé ou pas. Moi, je sais c'est qui qui l'a. Ok, c'est qui l'a. Parce que hier, tu m'as vraiment dit que tu l'avais, hein. C'était du bluff pour te donner la force. Arrête de t'exciter. Ok. Suis les verts. Parfait. Mais mon AK, il faut vraiment que je comprenne. Si elle qui ont pris ton AK. Mais ils l'ont pris comment? Voilà, à l'endroit. Comment ils pouvaient savoir? Parce que moi et Eric, on leur a dit qu'on... Parce que nous aussi, on avait laissé des affaires, okay. On leur avait dit bon, de les tout voir. Tu me tuer? Bah oui, allez. Tu me prends pour un con. Non, vous avez choisi de mener. Ah, je t'ai marqué avant. Ok, Lorio, break demi, pour favor. Oh, laisse-leur, c'est leur petite guerre. Laisse-leur. Lorio! Ah, il t'a lâché là, j'ai l'impression. Qu'est-ce que. Donnez, on t'entend pas, parle plus fort. Ça va, Lorio? Il va rien faire du tout, laisse-les faire leur... Ça va, Lorio? Lorio, ok, je t'explique. Rien, c'est notre manière de communiquer. Demi, il a mon AK-47. Il a rien du tout. J'ai rien, écoute Ricky, j'ai rien. Mais pourquoi il me dit que c'est les familles qu'il a? Enfin, les Verts. Les Algériens, peut-être. Il a vu une personne traîner en AK-47 qui se... Ok, mais moi, il y a besoin de comprendre et de savoir. Est-ce que mon AK-47 elle est dans les buissons ou est-ce qu'elle a de vous la récupérer? Bah, soit elle est là-bas, soit c'est eux qui l'ont. Oui, mais je peux pas. Elle est pas signée ton AK-47 bon, de ce que je... Est-ce que... Par favor, si je vais là-bas... Donnez, regarde, je pense que tu peux baisser ton arme et il va parler. Ok. En gros, par favor, écoutez-moi. Si je vais dans les buissons, est-ce que je vais trouver mon AK, oui ou non, par favor? Dites-moi oui ou non. Qu'est-ce que j'en sais? On n'est pas allé dans ce buisson. Ben, si vous l'avez pas récupéré... Je pense pas, parce que les Fabulistes, ils ont rasé le terrain. Ah, s'ils ont rasé le terrain, certainement qu'ils ont trouvé quelque chose, peut-être, qui sait. Du coup, tu l'as caché dans un buisson. Ok, ouais. Maintenant, je vais te dire pourquoi tu m'en demi. Hier, tu m'as dit que tu l'avais récupéré. C'est pour te calmer, tu voulais me buter. Bon, Lorio, il y a un menteur ici. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est la AK-47 des Vagos. Quelle AK-47? La AK-47 des Vagos. Quand je me suis énervé, il a pris la AK-47 et je suis parti avec. Eh oui, mais regarde, tu me le dis même pas à moi, tu me dis maintenant des choses maintenant ici. Bah oui. Ah oui, mais moi je comprends rien, c'est vos histoires, moi j'ai rien à voir là-dedans. Donc ça veut dire que. Là, soit demi nous la volar. Soit on les croit, ils disent qu'il y a des verts qui sont venus et qui ont rasé le terrain. Toi, tu mais c'est eux qui l'ont. On avait toujours une AK-47. Ok, mais c'est eux qui. Ok, mais là tu vas les laisser partir. Tu me dis, oui, ok, là tu vas les laisser partir. Mais comment ils ont volé l'AK-47? Tu vas les laisser partir. Mais laisser partir quoi? D'accord, donc tu m'apprends des choses ici. Ok, donc tu les laisses partir. Bien sûr que je les laisse partir, tu veux que je fasse quoi? Mec, tu le.
Alors demande où est l'AK-47. Mais tu m'expliques même pas comment, de quoi, etc. Mais peu importe, si écoute-moi et au lieu de et agis au lieu d'attendre que ce soit trop tard tout le temps. C'est okay, pour ça que t'es une merde. Non, demain il sera là. Wow. Écoute, dis-moi. Non. Et non, mais c'est vrai. Pourquoi c'est eux qui t'ont volé la caca. Non, mais pas ça dans tous les cas. Ça veut dire moi. Réponds-moi, pourquoi tu me réponds. Il y avait les poyos qui arrivaient, du coup j'ai caché mon AK-47 devant eux dans des buissons à Vinewood. Tu comprends? Ah. Et demi hier il m'a dit qu'il a récupéré. Et là, il me dit quoi? Et là il me dit que c'est des vers qui ont rasé le terrain et qu'il aurait récupéré. Mais bon, c'est très bien que c'est un mensonge quoi. On n'y croit pas. Bah c'est bon, bah on va la récupérer cette AK-47. Oui, mais d'accord, mais comment? Demain on doit les payer. Ouais. Demain on agira, c'est tout. Mais d'accord. Il faut choper Donny tout seul. Oui, mais bon, d'accord, mais attends. Il va juste le prévenir. Eh ouais, mais toi tu vois ça ton problème. Tu préviens les gens. Comme ça, après les gens ils se préparent et on a aucune Demi, chance. Allô. Il veut faire le tour du monde, d'accord. Il veut chercher mon AK-47. Si jamais oui. J'ai aucune trace, je te préviens. Comme ça, au moins tu es au courant, oui. D'accord. Si, moi aussi je vais t'aider à la trouver. Là, je vais faire une enquête. Écoute, les seules personnes qui savaient où était l'AK-47, c'est toi, Ricky et Emilio. Ça veut dire c'est l'information déjà de base à part de vous. Ah, peut-être c'est le MS-13 qui l'a récupéré. Ah, peut-être que c'est ta mère la puta. Moi, il veut en prendre à toi parce que hier, tu m'as dit que tu l'avais récupéré. Ah, j'ai menti. Peu importe, tu m'as dit ça hier, il me fie à ça. Non, mais c'est pas comme ça, tu peux pas faire ça, je l'ai pas. Tu peux fouiller, personne m'a jamais fait récupérer. Bon. Même Ricky. Tu as voulu entrer dans ce terrain-là, si il la trouve pas, il te tue. D'accord. Terrain-là, il la trouve pas, il te tue, t'as compris? Ok, mais je pense que tu vas la trouver si tu cherches bien. Mais attends, Demi. Réponds à ma question, elle est au buisson, oui ou non? Dis-moi oui ou non. Je pense pas. Non, il faut que tu me dises oui ou non. Parce que, en gros, si j'ai. Non, d'accord, ok, d'accord, merci. Parce que. Sinon, si jamais vraiment elle est au buisson, je vais au buisson, je la récupère. Où est-ce que je veux dire ou pas? On verra, hein, tu veux. J'examine, j'assassine tous les vents qui parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.